racontez-nous, vous avez choisi le bonjour pour l'échapper. Ouais, bah en fait, au début, j'avais pas vu quand j'avais Sylvain Dillier devant, de loin, et je crois que c'était un BMC avec son maillot champion de Suisse. Du coup, bon, après, on s'est trouvé deux devant, donc bon, c'était pas très très grave. Et dans le dernier col, ça a attaqué. D'abord, c'est le Drapac qui a attaqué en premier. Et j'ai suivi. Après, ça a cassé. On s'est retrouvé plus qu'à deux avec donc le vainqueur du jour. Et je me sentais bien, donc j'ai essayé de tenter dans le dernier col à 500 mètres ou 800 du sommet, parce qu'on avait repéré que la descente était rapide. Il y avait juste la fin qui était un tout petit peu technique. On savait que quelqu'un, un coureur tout seul avec 15-20 secondes d'avance sur un peloton, ça pouvait le faire. Et bah malheureusement, le mec qui gagne est revenu sur moi et ça l'a fait pour lui et pas pour moi. Moi, je me fais reprendre à 150 mètres de la ligne, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Pas de regret tactiquement, il n'y avait rien à faire, il était juste plus fort. Ouais, je me sentais. Après, c'est un peu dans les descentes. Techniquement, il était meilleur que moi. Je sais pas, depuis quelques temps, dans les descentes, j'ai un peu de mal depuis. Je me suis cassé la clavicule il y a 2-3 mois. Parce que à cause de moi, c'est moi qui étais tombé le premier dans un virage et j'ai un petit blocage depuis quelques temps comme ça. Donc c'est dommage dans les descentes de perdre du temps bêtement au final. Et donc il y a une petite déception, mais bon. C'est quelque chose qu'on peut travailler un peu, ça, avoir une appréhension en descente. C'est psychologique. Non, mais ça va revenir, hein, c'est sûr. Avant, c'était mon point fort, donc il n'y a pas de raison que ça ne le redevienne pas. En tout cas, c'est une bonne expérience pour vous aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, j'ai passé une bonne journée. C'est plaisant parce que les deux derniers jours, j'ai un petit peu reçu, alors que physiquement, je me sentais bien et depuis quelques temps. Donc là, ça permet de me remotiver et de confirmer que je suis bien en ce moment. Ouais.